Matteo Nodari, Lausanne a montré du caractère pour revenir de 0-2 à 2 partout, mais ça ne suffit encore pas, vous perdez à nouveau à la maison. Qu'est-ce qui manque ? Moi, je pense que ce soir, comme tu as bien dit, on a montré du caractère, on est revenu. Je pense qu'on a pas mal joué, des erreurs un petit peu comme ça, que Lugano il a bien fait, il a marqué comme ça. Et je pense que quand même ce soir, on a montré 2-3 trucs intéressants, et pour demain, c'est bien. On va à un bruit positif, même si on a perdu au penalty, mais le truc qu'on est revenu, ça fait du bien. On a vu durant l'échauffement Philippe Holm, le défenseur suédois, se blesser. Est-ce que ce genre de situation, ça vous a perturbé ? Oui, Pippo, c'est un joueur assez important pour nous. C'est un bon défenseur, mais quand même, comme j'ai déjà dit, comme c'est passé avec Jonas Junland quand il n'a pas joué, les autres défenseurs, ils prennent plus de responsabilités et nous, on est prêts pour avoir plus de glace et jouer plus. Alors, je pense que ça, on est une équipe et ça ne doit pas embêter nous. Demain, c'est Ambry, un déplacement que Lausanne n'aime pas beaucoup faire. Pas forcément le bon moment pour se déplacer au Tessin. Non, moi, je pense que c'est le bon moment parce que c'est le moment de changer un petit peu l'histoire. C'est le moment de changer un petit peu et c'est le moment d'aller là-bas et gagner. Merci beaucoup.